Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et l'émission qui booste votre foi et qui libère un esprit de foi dans votre maison. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai non seulement le pasteur Isaac, le pasteur Darius, mais nous recevons ici le pasteur Gentil Ma Foi. Donc, nous allons vraiment vivre une série d'émissions extraordinaires avec ces trois vétérans des ministères ACER. Nous sommes en train de parler de l'esprit fort. Pasteur Isaac, on a développé beaucoup de choses sur l'esprit fort. Bonjour Apôtre, merci pour l'opportunité que tu me donnes d'être dans cette émission. Amen. Tu qui m'est toujours... Bien. Tu passes très bien à la caméra. Là. Merci, c'est vraiment formidable. Merci Apôtre. Surtout la chemise qui s'arrête bien. Avec, avec tout le reste, c'est super. Très beau. C'est très, très beau. Vraiment, merci. C'est un privilège d'être dans cette émission qui met les pendules à l'heure. Mmh. Effectivement, on l'avait dit, ce thème est vraiment particulièrement important parce que je pense qu'il s'inscrit vraiment dans les thèmes du chemin, je dirais, de la maturité. Mmh. On a vraiment vu que la force intérieure, le fait de développer un esprit fort, nous permet de saisir la vie. On a dit vraiment beaucoup de choses dans ce sens. On a vu les caractéristiques de l'esprit fort. J'en passe, mais on a vu tellement de choses. Mmh. Mais ce thème-là est vraiment très, très bénissant depuis qu'on a commencé à le développer. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Apôtre, pour l'opportunité. C'est vrai que depuis qu'on a commencé à le développer, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui nous ont aidés à grandir, à mieux comprendre la vie chrétienne et surtout à mieux comprendre comment... les avantages justement d'avoir un esprit fort. Mmh. Parce que très souvent, on sait que c'est important, mais on ne repère pas vraiment tous les avantages d'avoir un esprit fort. Mmh. Or là, on est vraiment rentré dans le fond du sujet. Mmh. On a parlé de beaucoup de choses et je pense qu'on va encore édifier plus d'un aujourd'hui. Mmh. Pasteur Gentil. Mmh. Alors, merci beaucoup, Apôtre, pour l'opportunité. Amen. Donc, lorsqu'on parle d'esprit fort, c'est vrai que c'est effectivement, comme ils l'ont dit, c'est un thème très, très important. Mmh. Parce que pour moi, lorsqu'on parle d'esprit fort, on parle de destinée. C'est vrai. Parce que la force de notre esprit va déterminer la qualité de notre destinée. Non, c'est clair. Et là où nous allons, donc je pense qu'effectivement, c'est un thème. Non, c'est clair. Dans les coulisses, le pasteur Darius me disait qu'en fait, il s'est rendu compte que les exploits qu'il a pu faire dans sa vie chrétienne dépendaient des moments où son esprit était très, très fort. Mmh. Et effectivement, ce que tu dis, c'est très important, pasteur. Pasteur Gentil. Pasteur Darius, est-ce que tu peux justement redire ce que tu m'as dit dans les coulisses? En fait, ce que je disais, oui, dans les coulisses, je disais en fait que je me suis rendu compte que l'esprit fort, c'est peut-être même la chose la plus importante à développer dans la vie chrétienne parce que j'ai essayé de faire, de regarder à chaque fois où j'ai eu des exploits, où j'ai fait des choses de façon vraiment surnaturelle avec une grande foi. Et je me suis rendu compte que c'était des moments où mon esprit était vraiment fortifié. Mmh. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de faire un grand effort pour avoir les résultats que j'ai obtenus. Et c'était vraiment une période où spirituellement, j'étais concentré sur le Seigneur. Mm-hmm. Je cherchais vraiment le Seigneur profondément. Et je me suis rendu compte vraiment toutes ces choses se sont faites tellement facilement. Mm-hmm. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, maintenant que j'y pense, lorsque tu nous as dit en fait que par rapport à la période du coronavirus et autres, tu as déclaré, tu as dit en fait que cette maladie, cette chose n'aura aucun effet sur nous. Amen. Et je sais que c'était une période aussi où tu venais de passer un temps dans la prière et dans le jeûne et tu as vraiment fait une déclaration comme si c'était clair et logique, alors que le monde autour de nous dit que c'est dangereux, etc. Et cette déclaration m'avait beaucoup marqué parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Amen. Pasteur Isaac, j'ai remarqué que lorsque... on aborde même le thème, rien que le thème, l'esprit fort, développer l'esprit fort. Les hommes spirituels, quand ils entendent ça, rien que ça, ça réveille quelque chose dans leur esprit. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Ça me fait la même chose. Mais on l'a expérimenté littéralement. Désolé de laisser le pasteur Gentil, mais on l'a expérimenté. Je pense que aux derniers épisodes, pendant qu'on était en train de parler de ça, mais on a été activé, notre esprit s'agitait. Ça nous a poussé même à prier. C'est vrai. Et puis, je veux également ajouter, il y a un passage biblique qu'on avait lu dans Éphésiens chapitre 3 pour vraiment appuyer l'important, la portée de l'esprit fort sur le chemin de notre destinée et les exploits, ainsi de suite. On voit vraiment que Paul va faire cette prière stratégique dans, je pense que tu avais lu ce passage dans Éphésiens 3, 14, comment il prie, je prie Dieu le Père, le Père de la famille dans le ciel et sur la terre, qui vous donne selon la richesse de sa gloire. Je pense qu'on reviendra peut-être sur ce point-là. Vous soyez puissamment fortifié dans votre homme intérieur par le Saint-Esprit. On voit vraiment que quand on lit la suite de ce passage biblique,
on voit vraiment que c'est l'esprit fort qui saura puiser toute la richesse qui est en Christ. Exactement. On voit vraiment connecter la force de l'esprit, la force même de l'homme intérieur. C'est intéressant parce qu'en amont, on avait abordé également l'âme. Et finalement, nous sommes en train d'aborder l'esprit. Donc, il dit vraiment que quand l'homme intérieur est fort, fortifié, il va mieux collaborer avec Christ. Il va même permettre que Christ règne, domine, nous fasse faire des œuvres. Oui, parce que je voulais revenir vraiment dans la même lancée sur ce que le pasteur Darius disait. Je pense vraiment effectivement que l'esprit fort va vraiment en corrélation avec la confession. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier l'esprit fort de la confession. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit l'histoire de David face à Goliath, Goliath va déclarer et David va déclarer aussi. Pourquoi ? Parce que David avait un esprit fort. Et justement, face à l'adversité, il ne s'est pas ramolli et il a pu déclarer et sa déclaration est arrivée à l'existence. Hallelujah. Vraiment, on va passer des bons moments parce qu'aujourd'hui, on va concrètement comment développer l'esprit fort. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que quand on parle d'un thème, on a l'impression que les vertus du thème se déposent dans notre esprit. C'est comme si ça active quelque chose dans notre esprit. Et c'est pourquoi cette émission Pendule à l'heure est très intéressante. Elle nous fait du bien nous-mêmes. Pendant qu'on la fait, quand on tourne les émissions, on sort de là, on a l'impression qu'on est, on a été, voilà. Et c'est pas l'impression, parce que c'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui va se passer encore pendant ces moments où nous allons justement édifier le peuple de Dieu. Oui, je pense vraiment. Je pense vraiment que c'est important vraiment que les internautes puissent comprendre que le fait de regarder, il se passe quelque chose, c'est des semences en fait. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pendant qu'ils écoutent, la foi va naître par rapport à l'esprit fort. Et désormais, leur esprit va se fortifier ils pourront même remporter des victoires. Vous savez, c'est pas forcément, il n'est pas forcément nécessaire que tu puisses écouter un message lié, par exemple, à la restauration ou à la guérison. La parole de Dieu elle-même est capable de te transformer. Lorsque tu écoutes un message comme celui-là, on parle d'un esprit fort, vraiment, tu peux être fortifié et sortir de tout type de problème. Et même pour rebondir sur ce que le pasteur Darius dit, lorsque on voit ce passage justement de Romains 10, verset 17, qui va dire « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu », j'ai regardé le mot « entendre » ici, et le mot « entendre » vient d'écouter attentivement dans le sens de percevoir. Ça veut pas simplement dire que j'écoute la parole de Dieu, mais pendant que j'écoute, je veux percevoir ce qu'il y a derrière la parole qui est libérée. Donc pendant qu'on est en train de parler de l'esprit fort, celui qui est en train de nous écouter et qui veut absolument recevoir va forcément recevoir. Il va forcément recevoir. On va leur montrer maintenant concrètement comment développer un esprit fort. Et on a une série de 3 émissions sur comment concrètement développer un esprit fort. On leur a montré dans les dernières séries l'importance d'avoir un esprit fort. Et je pense que beaucoup réalisent l'importance d'avoir un esprit fort. Maintenant, on va vous montrer concrètement. Pour développer un esprit fort, nous ne pouvons pas le faire sans la parole de Dieu. Donc, le premier point que nous allons voir dans cette émission, c'est avoir une bonne alimentation spirituelle. Déjà, dans l'alimentation spirituelle, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, nous savons que la parole de Dieu est une nourriture. Et c'est important que les chrétiens comprennent que la parole de Dieu est une nourriture pour notre esprit. C'est quand même étonnant de voir des chrétiens être prêts à manger 3 repas par jour et courir, vous comprenez, au restaurant, manger 3 repas par jour. Ils vous disent même non, il faut vraiment que j'aie mes 3 repas par jour, il faut que je mange. Mais quand il s'agit de leur esprit à la dalle, moi, ça m'étonne vraiment. C'est vraiment compliqué. Et moi, je pense, effectivement, pour aller dans cette lancée, quand Jésus dit, il apprend à ses disciples à prier dans Matthieu 6, il va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je pense qu'il ne s'agit pas simplement du pain qui nourrit le corps. Il s'agit également du pain qui nourrit l'esprit. Et que chaque jour, on doit avoir le pain quotidien qui va nourrir notre esprit. Amen. J'y crois également parce que je pense que c'est vraiment nécessaire. La Bible va dire que Jésus va dire qu'il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et beaucoup vont dire que le Seigneur Jésus priait tous les jours pour voir ce que le Seigneur lui disait. Lui présentait sa journée en fait. Donc lui donner une parole qui allait l'aider à décanter toutes les situations de sa journée. Et je pense que c'est symbolique en fait. Nous devons comprendre que tous les jours, le Seigneur a une parole pour nous pour que nous puissions combattre ou réussir les défis de notre journée. Tout comme on mange pour avoir l'énergie de la journée. Voilà, donc je pense que c'est la même chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire des Israélites qui recevaient la manne tous les jours, en fait, pour leur journée. Et le Seigneur leur avait dit qu'il fallait pas qu'ils mangent la manne d'aujourd'hui, demain. Et je pense que c'est important qu'on comprenne que tous les jours, on a une nouvelle parole qui peut changer notre vie et qu'on doit vivre sur la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Amen. Et non, vraiment, la parole de Dieu va réellement fortifier l'esprit. Et comme le pasteur Gentil a dit, je crois le pasteur Darius également,
on voit que le Seigneur va quand même faire une prière. Dans la prière, il va insister sur le pain quotidien. Donc on voit que par rapport à la parole de Dieu, je pense qu'il y a deux aspects. Ici, il y a un parallélisme même avec l'alimentation sur le plan naturel. Donc Dieu veut qu'on ait l'alimentation de manière quantitative et être alimenté, bien sûr, par rapport à la parole de Dieu, de manière également qualitative. Je pense qu'on aura vraiment... Les deux sont vraiment importants. Les deux sont importants. Avoir la parole de Dieu en abondance et également la qualité de la parole. Parce qu'on va voir ça par la suite. On réalise, hein, quand on réalise que la parole de Dieu est une nourriture et il faut qu'on la mange, à partir de ce moment, on comprend que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Non. On ne fait plus les choses par religion, en fait. C'est une nourriture. Il faut qu'on mange, en fait. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que tant que vous ne réalisez pas... la grosse difficulté, c'est que... Les chrétiens savent reconnaître quand est-ce que physiquement ils ont faim et beaucoup ne savent pas reconnaître quand est-ce que spirituellement ils ont faim. C'est pour ça qu'ils ne mangent pas en fait. Il y a des signes, il y a des signaux en fait qui vont nous montrer qu'on a faim en fait de la parole, que notre esprit doit manger la parole. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est tout simplement pas une religion. Est-ce que pour respirer, quelqu'un va dire bon, aujourd'hui, je ne respire pas. J'ai trop respiré. Voilà, j'ai trop respiré aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne respire pas. Ou bien faire une semaine sans respirer. Non, tu comprends que respirer, c'est nécessaire. Tu le fais instinctivement. Tu dois aussi comprendre que non, ton esprit doit manger. Et tu dois manger, en fait. C'est important. Il y a vraiment deux cas de figure. Il y a deux types de, peut-être, de chrétiens. Il y en a qui auront du mal à reconnaître les signaux que l'esprit va envoyer pour dire, non, j'ai la dalle, pour me dire que j'ai faim. Donc, ils vont pas répondre à ces signaux-là. D'autres également vont pas avoir la révélation de la portée, la parole de dedans, dans leur vie, dans leur esprit. Il y a vraiment ces cas de figure-là également. Et même, il y a certains qui vont identifier que leur esprit a, a faim, mais ils ne vont pas suffisamment se nourrir. C'est ça. Ça veut dire qu'ils vont manger, mais c'est comme s'ils ne vont pas suffisamment manger pour que leur esprit soit rassasié. Donc, ils n'arrivent pas à identifier la quantité qu'il faut pour que leur esprit soit rassasié. Et je pense que oui, il y en a beaucoup, effectivement, comme le pasteur Gentil le dit, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à connaître leur niveau, le niveau de leur esprit. C'est ça. C'est la quantité qu'ils doivent manger, la qualité, surtout où ils doivent aller la chercher. C'est ça. Parce que selon l'esprit que nous avons, on ne prend pas la même nourriture. C'est pas le lait jusqu'à je ne sais pas quel âge. Au bout d'un moment, il faut aller chercher la nourriture solide. C'est des fois, la nourriture solide, il faut aller chasser. Il faut aller chasser, courir, chercher profondément jusqu'à ce qu'on trouve cette parole qui va nourrir notre esprit. Et des fois même, la parole qui va vraiment nourrir notre esprit de façon constante, peut-être que c'est dans le jeûne qu'on va vraiment la trouver, quand on va tout disposer, on va tout mettre de côté pour nous concentrer sur la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous, vous êtes en train de comprendre. C'est-à-dire que votre esprit a besoin de manger, ok? Quand vous avez réussi à identifier que votre esprit a besoin de manger la parole de Dieu, c'est important que vous puissiez avoir un régime alimentaire adapté. Et nous allons vous parler du régime, comment avoir un régime alimentaire adapté, parce que beaucoup de chrétiens, quand ils écoutent qu'il faut qu'ils écoutent la parole, qu'il faut qu'ils mangent la parole, ils vont prendre des livres, ils vont regarder des trucs sur Internet, même ils vont ouvrir la Bible et ils vont commencer à lire, en fait. Et certains sortent de là, en fait. Ils ne sont pas nourris quand ils l'ont fait. Et c'est là où, en fait, ils arrivent jusqu'à dire que non, mais je lis, mais rien ne se passe. Parce qu'en fait, vous savez, le régime alimentaire va dépendre déjà de l'âge. Le régime alimentaire va dépendre de la saison. Est-ce que vous comprenez ça? Et le régime alimentaire va dépendre aussi de la race. De la race, c'est ça. C'est vraiment vrai. Regardez, c'est la race. Parce que si on commence déjà par la race, vous savez, les lions ne mangent pas les mêmes choses que les poissons. Parce que ce n'est pas la même race, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et c'est vrai parce que selon le ministère dans lequel nous sommes, on ne va pas devoir développer la même chose. Il faut vraiment suivre la vision du Père. Si le Père le dit, c'est dans la prophétie, c'est dans les guérisons. Donc, développe plus la prophétie et les guérisons parce que tu es apte plus facilement à ça, en fait. Si le Seigneur t'a mis dans cette famille spirituelle, c'est pas pour rien. Donc, c'est vraiment, il faut, comme tu dis, apôtre, je pense qu'il faut vraiment voir de quelle race nous sommes. C'est ça. Quel est notre but, quel est notre appel, quelle est notre vision, et on doit se nourrir en rapport avec la vision. C'est ça. Bah, déjà, pour aller un peu plus loin, pour reculer un tout petit peu, sachez déjà que, en fait,
l'être humain fait partie de la grande race des esprits. Yes. Est-ce que vous comprenez? Yes. La race des esprits, c'est une très grosse race. Mm-hmm. Okay? Et les esprits, en fait, se nourrissent de paroles. C'est important que vous puissiez comprendre ça, que les esprits se nourrissent de la parole de Dieu. Les démons se nourrissent des mensonges du diable et des mensonges qu'on peut répandre par-ci, par-là, en fait. Donc, si vous arrivez à comprendre ça, vous comprendrez pourquoi vous devez lire la parole, en fait. Parce que la parole nourrit votre esprit, parce que vous faites partie de la race des esprits. C'est comme ça, en fait. C'est exactement ce que le pasteur Isaac disait, quand il parlait même de qualité. Même la qualité des paroles qui vont nourrir notre esprit va déterminer la qualité de notre esprit, de notre état. Et ça me rappelle ce que tu avais dit, en fait, lorsque tu disais... Oh purée, lorsque tu disais, en fait, que la force de... C'est grave. Ça va être bien, là. My God. Ça va être bien, ça va être bien. Tu disais... Pasteur Isaac est là sous l'onction. Tu disais, en fait, la force de notre corps, c'est l'énergie. Oui. La force de notre âme, c'est la volonté. Mm-hmm. Et la force de notre esprit, c'est la foi. Mm-hmm. Or, la foi vient de ce que tu entends. De ce qu'on entend. Alléluia. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, tu n'auras pas l'énergie de ton esprit si tu n'as rien mangé, si tu n'as rien entendu. Voilà. Et le juste vivra par la foi. Par la foi. Et même Dieu vit par la foi. Par la foi. Même Satan vit par la foi. Négative. Est-ce que vous comprenez? Par la foi négative. En répandant des mensonges. En disant des choses. Donc, les paroles sont importantes pour notre santé, notre alimentation spirituelle. Et ça, quand vous comprenez ça, je vous assure, vous allez regarder Évangile TV tout le temps, tout le temps. Vous allez vous saturer de la parole parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi on leur dit non, regardez Évangile TV, non, regardez des bons programmes. Tu fais partie de la race des esprits, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et cette race-là se nourrit de la parole. Effectivement, cette race se nourrit de la parole. La parole révélée. Amen. Pasteur Gentil, ce n'est pas, faut pas seulement regarder Évangile TV, il faut regarder dans les bonnes conditions pour percevoir. Yes. Amen. N'oublions pas que la parole doit aller jusqu'à notre esprit, que l'âme est la parole de l'esprit. Amen. Donc il faut mettre encore une fois l'âme dans des bonnes conditions pour que la parole de Dieu aille jusque dans l'esprit. Voilà, après maintenant, l'alimentation, le régime alimentaire va dépendre aussi maintenant de la saison. De la saison, c'est vrai. De la saison dans laquelle nous sommes. Effectivement, j'ai remarqué aussi que selon les étapes de la vie dans laquelle nous sommes, le Seigneur veut développer certaines choses dans notre vie. C'est-à-dire peut-être qu'il veut que tu te concentres beaucoup plus, par exemple, sur la guérison. C'est ça. Et il va commencer à plus te pousser vers la guérison. C'est ça. Premièrement, il faut repérer que le Seigneur veut que tu développes les choses liées à la guérison. Donc, à partir de là, c'est vrai que tu vas te nourrir des choses importantes. Par exemple, il faut boire de l'eau tous les jours. Mais il faut quand même que tu manges, que tu aies des protéines. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut adorer, il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu, mais que tu approfondisses plus sur la guérison. Parce qu'en ce moment-là, tout est préparé dans le monde spirituel pour que tu puisses recevoir quelque chose lié à la guérison. Parce que tu sais, pasteur, avant de donner la parole au pasteur Gentil, parce que, pasteur, tu sais, dans le régime alimentaire, même si... par rapport à la saison, même si l'aliment que tu vas manger va dépendre de la saison, en fait, il y a quand même des aliments qui reviennent tout le temps dans chaque saison. D'où le fait que je parlais d'eau. Voilà, ouais, d'eau, toujours. L'eau, c'est tout le temps. Donc, quel que soit ce que vous étudiez, vous devez étudier la foi et la plénitude du Saint-Esprit à chaque fois. Amen. Pasteur Gentil, oui. Mais juste avant de passer à ce que j'allais dire, ce que vous êtes en train de dire me fait penser à ce que Pierre, moi je pense que Pierre s'adresse à tout le monde, quand tu vas dire, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel par lequel vous croissez. Je pense que le lait, même quand on a 40 ans, on peut toujours boire le lait. C'est ça. Donc, ça veut dire que même celui qui évolue dans le Seigneur ne peut pas faire abstraction des bases en Christ. Parce que si on s'éloigne et qu'on oublie les bases, on va finir par rendre notre bâtisse fragile. Et du coup, notre bâtisse ne pourra pas être stable comme elle est censée l'être. Mais moi, ça me fait également penser, là, c'est vraiment mon témoignage, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de moi au GR. Et lorsque la personne qui s'occupait de moi au GR a fini par voyager, à un moment donné, j'étais là et je priais, je disais au Seigneur, mais comment je vais faire pour grandir? J'ai plus personne qui va s'occuper de moi. Et j'ai entendu clairement le Seigneur me dire, il est temps pour toi maintenant de t'occuper des autres. Et j'ai commencé maintenant à chercher dans la parole de Dieu tout ce qui parlait du leadership, tout ce qui parlait d'être un modèle et d'être la lumière. Je ne regardais plus la parole de Dieu comme quelqu'un qui était censé forcément recevoir, mais comme quelqu'un qui devait donner également. Donc je pense que les saisons dans lesquelles nous sommes, lorsque nous arrivons à les identifier, nous allons même chercher dans la parole de Dieu la nourriture dont nous avons
besoin. C'est ça. Et c'est pour ça que Matthieu 7,7 va dire « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez ». Ça, ce sont même des dimensions. Ça veut dire qu'en fonction de la dimension spirituelle dans laquelle je suis, soit je vais demander, soit je vais chercher, soit je vais frapper. Exactement. Juste pour ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Apôtre. Enfin, un deuxième tour, la révélation mijote. La révélation mijote. Mais par rapport à ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. Et on a écouté un peu les stagiaires. Amen. La régie, passe à Isaac. Par rapport à ce qu'il vient de dire, justement. Ah, il aurait lancé un petit pic là, en fait. Par rapport à ce que le pasteur Gentil vient de dire, en fait, c'est que le fait de comme dit, les différentes dimensions, en fait, ça va nous aider aussi à chercher la parole de Dieu là où il faut qu'on la cherche. Comme tu disais, il ne faut pas lire juste pour lire parce que c'est un texte ou quoi. Non, il faut qu'on puisse chercher exactement là où on a besoin. Et c'est là où, également où on va voir qu'on peut lire la même parole sous différentes, sous différentes saisons et manger une nourriture différente. C'est ça. Parce que la révélation va être différente. Parce que l'onction n'est pas la même, parce que la saison n'est pas la même. Et donc, du coup, c'est vraiment important d'identifier ça et de se dire que comme je suis dans cette saison, en fait, je dois d'abord aller chercher par là-bas, ensuite par là, demander des conseils ici et là, et ne pas chercher partout où c'est écrit Jésus, ou dès qu'on voit un livre, c'est marqué Jésus, on va le lire. D'où l'importance aussi de s'adresser beaucoup à nos pères, à nos responsables, parce que c'est eux qui vont pouvoir aussi nous aider à confirmer la saison dans laquelle nous sommes. C'est ça. Et bon, pour vous aider un tout petit peu avant de donner la parole au pasteur Isaac, moi je te dis déjà la question que je vais te poser, comme ça tu mijotes. En fait, les dangers pour un bébé spirituel de manger la nourriture qui n'est pas du tout adaptée à son niveau spirituel. C'est de ça dont j'aimerais que tu puisses parler tout à l'heure. Mais on parlait de la saison. Et parfois, pour savoir la nourriture dont vous avez besoin, le Saint-Esprit va vous guider, en fait. Il y a des moments où vous êtes là, vous sentez que vous avez faim, vous sentez que vous voulez manger. Vous regardez une prédication, ça ne vous dit rien du tout. Vous lisez un passage biblique, ça ne vous dit rien du tout. Mais le Saint-Esprit peut vous conduire et vous guider. Pour ça, vous devez être humble et lui dire, Saint-Esprit, conduis-moi en fait. Tu sais exactement ce dont j'ai besoin actuellement, conduis-moi. Et moi, j'ai souvent expérimenté ça. Quand je me suis souvent confié au Saint-Esprit, il m'a toujours connecté à de la nourriture qui m'a vraiment fait du bien par rapport à la saison dans laquelle je me trouvais. Pasteur Isaac, les dangers pour un bébé spirituel de pouvoir manger la nourriture inadaptée, ou les dangers pour quelqu'un qui est mature d'aller manger la nourriture inadaptée? Mais effectivement, la nourriture qui n'est pas adaptée à l'âge de la personne ne va pas couvrir les besoins de la personne. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y aura des carences. Il y aura quelques carences, ainsi de suite. C'est sûr que si un bébé, par exemple, mange par exemple, la nourriture solide, il peut avoir l'indigestion. Et il peut s'étouffer. Il aura l'indigestion. Ou bien quelqu'un qui est adulte, qui va seulement boire du lait, qui a quand même qui apporte des nutriments, quelques richesses. C'est bien, mais ces aliments-là ne vont pas couvrir tous ces besoins. Il y aura cette carence-là, ainsi de suite. Donc des carences. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que tant qu'on ne mange pas la bonne nourriture et qu'on a des carences, il y aura un moment donné où on aura besoin de cette énergie-là et on ne pourra pas l'utiliser, en fait. Oui. Par exemple, si tu dois méditer la parole de Dieu par rapport au fait de garder un bon moral, par rapport au fait de garder une mentalité de vainqueur, de réussite, et que tu ne le fais pas, ou bien que tu commences mais que tu ne vas pas jusqu'au bout de ce que le Seigneur avait prévu, tu vas rencontrer une épreuve et tu vas aller jusqu'à la moitié de l'épreuve et tu vas laisser tomber. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à récupérer, à manger suffisamment de nourriture et du coup, il y avait des carences, en fait. En fait, ça, je pense que c'est vraiment important d'insister sur ce mot carence parce que je vais même prendre un exemple. Lorsqu'on arrive le dimanche à l'église, on est nourri de la parole. Mais beaucoup de personnes s'arrêtent juste à la nourriture du dimanche. Ça veut dire que lorsqu'ils sortent le dimanche, ils se disent, bon, c'est bon, j'ai été nourri, je m'arrête là. Mais alors que même en fonction de ta saison, peut-être que le dimanche, on n'aura pas touché tous les points qui concernent ta saison. Et toi-même, tu vas devoir aller approfondir dans la parole de Dieu pour découvrir ce dont tu as besoin par rapport à ta saison. Donc, il ne faut pas se limiter simplement à la parole qui est prêchée le dimanche, mais il faut aller bien plus loin. Et encore même... Il faut écouter la parole du dimanche, mais il ne faut pas se limiter qu'à là. Il faut chercher, aller en profondeur et se dire, essayer de toucher un peu dans la parole de Dieu dans l'ensemble, de quoi j'ai besoin.
Et moi, comment, par exemple, je vais méditer dans ces temps-là, c'est que je vais faire un peu un focus sur des personnages qui ont, dans leur destinée, touché des points qui correspondent à ma saison. Amen. Ça veut dire Amen. Que si je veux développer un esprit fort, je vais forcément étudier la vie des personnes comme David, des personnes comme Paul, parce que Paul était quelqu'un qui avait un esprit fort. Donc, je vais toucher des personnages comme ça, je vais commencer à étudier leur vie pour recevoir ce dont j'ai besoin par rapport à ma saison. Et puis, comme nous sommes quand même en train de parler, bon, encore, ça va toucher un peu d'autres dimensions. On parle quand même de l'alimentation. On voit qu'il y a quand même parallélisme entre ce qui se passe dans l'esprit et ce qui se passe sur le plan naturel. Exactement. Effectivement, quand on parle d'alimentation, il faut aussi mettre son esprit dans des conditions pour bien, comment dire ça, pour la digestion. Parce que dans la digestion, nous avons quand même cette phase-là où on va broyer les aliments. C'est Après, il y a vraiment cette phase, l'assimilation, les aliments vont vraiment rentrer dans notre esprit, ainsi de suite. Je pense que Pasteur Gentil parlait un peu de David ou même de Paul qui avait une façon de faire, mais je veux quand même revenir sur le Seigneur Jésus. C'est sûr, je ne veux pas parler de comment, comment il est allé aux régions inférieures de la terre. C'est pas le thème. Mais bon, on voit quand même que. On va parler de ça tout à l'heure. Donc on voit quand même que quelque part aussi. On voit que le Seigneur va souvent se reposer dans la barque. Et il y a quelque chose que l'apôtre avait dit, souvent des parents, parce qu'un esprit fort, c'est quelqu'un qui, c'est un esprit qui a la connaissance, qui a même de faire l'inventer, expliquer les résultats qu'il y a. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans la confusion, parce qu'en fonction des résultats, ils ne sont pas à même d'expliquer les résultats qu'ils ont. Et si tu n'arrives pas déjà programmer ces résultats, expliquer certains résultats qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est là où on perd dans la confusion. Donc, on voit quand même qu'il y a cet aspect-là, on voit le Seigneur Jésus qui va souvent se reposer. Et l'apôtre, tu avais dit quelque chose comme ça, comment parfois tu ne jeûnes pas et quand tu manges, tu as l'impression que ton esprit prend la force. Et moi, ça arrive parfois, je ne sais pas, on est obligé quand même quelque part de faire un lien entre l'esprit et les autres dimensions, mais quand même, liés, hein. Puisque nous sommes en train quand même de parler, nous sommes quand même en train de parler de parler quand même des exploits au début de l'émission, des résultats, parce qu'on l'avait dit la dernière fois que parfois on parle d'esprit fort, mais il faut que les gens comprennent quand même le lien entre cet esprit fort avec l'âme et le corps. Donc j'étais en train de parler de la digestion, le fait de prendre la sieste sur le plan naturel, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ils peuvent avoir l'esprit fort, on va avoir Jésus qui va dormir dans la barre. Quelque part, on voit que parce qu'ils comprenaient que le corps est important pour que l'esprit ait des performances. Donc au-delà de l'alimentation, parce que beaucoup de gens vont s'arrêter l'alimentation, oui, mais on peut avoir une bonne alimentation spirituelle. Eh bien, si on n'est pas sage, je parle en termes de se reposer, reposer son corps et mettre son âme dans les bonnes conditions, on peut avoir des surprises. Et si on ne comprend pas ces aspects-là, tiens, j'ai prié aujourd'hui, j'ai lu la Bible, la nourriture était solide, du lait, tout ça. Mais que je n'ai peut-être pas les résultats escomptés, si je n'arrive pas à comprendre ces autres aspects-là, je vais être dans la confusion. Et la plupart du temps, c'est là où le diable vient mentir les gens, en fait. Et ça me fait penser... Justement, en fait, cette partie qu'il développe là, c'est en fait la troisième émission. C'est la troisième, fortifier son esprit par le repos, en fait. On va leur expliquer, en fait, c'est quoi le repos de l'esprit, c'est quoi le repos de l'âme et le repos du corps. On va voir que les trois sont liés, en fait, pour avoir des performances spirituelles. Pour revenir à tout à l'heure, c'est que, en fait, parce qu'il y a une idée que j'avais par rapport au fait d'aller à l'église. Parce que Isaac nous a donné un avant-goût de la troisième émission. Donc, c'était connecté. Donc, du coup, en fait, par rapport au dimanche, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, des fois même, ils ont besoin de réécouter. Et de réécouter plusieurs fois le message pour capter non seulement l'esprit et pour capter la révélation qu'il y a dedans. Au-delà de ça, j'ai même remarqué que les dimanches confirment la saison dans laquelle nous sommes. C'est vrai. Ça confirme souvent, on va se dire, ah, mais c'est de ça que je parlais la semaine dernière. C'est de ça que le Seigneur me parlait cette semaine. Ah oui, donc je suis vraiment dans le bon chemin. Je suis vraiment... Et donc, du coup, je pense que si on voit les dimanches différemment, si les chrétiens voyaient les dimanches différemment, ça les aiderait, beaucoup à grandir ou du moins à avoir un esprit fort. C'est-à-dire que se dire dimanche, ça doit confirmer la saison dans laquelle je suis. Ça doit confirmer ce que le Seigneur m'a dit et ça doit approfondir ce que le Seigneur m'a dit, en fait. Parce que si tu viens et que tout est nouveau,
que tu apprends tout de A à Z, je me pose des questions sur ce qui s'est passé dans ta semaine. Parce que c'est le même esprit, en fait. Et je pense que c'est important de comprendre que ça aussi, c'est un indicateur comme quoi tu es en train d'être bien nourri et tu es en train de prendre une bonne nourriture. En fait. Moi, je suis de ceux qui pensent que vous ne pouvez pas suivre un message d'une heure et Dieu ne vous parle pas à un moment donné du message. Le problème, c'est que certains chrétiens décrochent parfois dès qu'on annonce le thème, en fait. Vous comprenez ça? Ils sont en train de vivre des défis dans leur mariage. On arrive, le titre de mon message aujourd'hui, c'est la dîme et les offrandes. Tout de suite, ils décrochent. Tout de suite, ils disent, ça ne me concerne pas. Ils se ferment et ils ne captent pas, en fait, ce que Dieu veut lui dire. Parce que peut-être que tes problèmes dans le mariage sont liés à tes problèmes financiers. Et à un moment donné dans la prédication, l'homme de Dieu va parler de ta situation. Donc, ne décroche pas. Suis du début jusqu'à la fin et il y aura une partie qui va te concerner, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours préparer son esprit. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, vont aux réunions, se disent que tiens, bon, je prêche pas aujourd'hui, je serai peut-être à la caméra, donc ça ne sert à rien que je prie. Ça ne sert à rien que je fasse ces choses-là, bon, je vais à l'église. Oh, bon, on l'avait déjà dit à l'une des émissions, on parlait de l'église ainsi de suite, qu'il faut se préparer aux réunions. Se préparer aux réunions. Parce qu'il faut labourer son cœur, il faut mettre son cœur dans certaines conditions pour capter la parole de Dieu. Et on voit même parfois des gens qui dorment pendant que la parole est libérée. C'est vrai, c'est des signes, des moments de préparation. Parce que généralement, je pense que. Parce que même pasteur, physiquement, tu dois te préparer aussi. Un bon café. Bien sûr, tu disais ça, par exemple, quand quelqu'un prie en langue, je pense qu'il parle de sa femme qui prie en langue, tout d'un coup, il s'éveille et tout ça. Moi, aussi, ça m'arrive quand mon épouse prie en langue ou ton esprit s'éveille, en fait. C'est ce qui doit se produire également avec la parole de Dieu. Ça. Parce que la parole, c'est l'esprit. C'est et nous sommes esprit, il y a une correspondance. Exactement. Donc, il faut cette préparation. En fait, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui disais que par moment, quand mon épouse va prier dans une pièce et que je suis en train de dormir, et c'est bizarre ce truc, parce que pendant qu'elle est en train de prier, tout de suite, mon esprit réagit et ça me réveille. J'arrive plus à dormir parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier dans une pièce à côté ou dans la même pièce que moi. J'entends pas de bruit, mais ça réveille mon esprit. Amen. Mais pour revenir à ce que le pasteur Darius disait, moi, je pense, et pour aller dans la même lancée, même plus loin, je pense que même le dimanche peut ouvrir une nouvelle saison. Ça veut dire qu'en arrivant le dimanche, tu n'es peut-être pas au courant de la saison dans laquelle tu es et tu as besoin d'un mentor ou d'une autorité spirituelle qui va ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Donc ça veut dire que quand tu arrives le dimanche, il parlait de la disposition spirituelle et même du corps. Parce que quand tu arrives en étant disposé, l'homme de Dieu va libérer quelque chose qui va t'ouvrir les yeux sur la saison sur laquelle tu es et tu vas pouvoir capter en fait la saison dans laquelle tu es. Mais quels sont les signaux ou les signes d'une carence du régime alimentaire? C'est quoi en fait les signes? Comment ceux qui nous regardent aujourd'hui peuvent déterminer que non, là, je manque de ceci, de cela. Physiquement, on sait, en fait. Physiquement, on peut sentir, en fait. Mais c'est ce que je disais, par exemple. Bon, peut-être que je n'ai pas été assez précis. C'est-à-dire que des fois, on peut venir à l'église, l'homme de Dieu prêche, et puis, bon, bah, ça ne parle pas, ça ne correspond pas à ce qu'on a médité dans la semaine ou aux recherches qu'on a faites. Il y a un problème. Oui. Ça veut dire que tu n'as pas mangé la bonne nourriture. Okay. C'est qu'il manque des choses, c'est qu'il te manque des choses. D'autre part aussi, ça peut être le fait que quand tu arrives dans une situation, que tu sois surpris. Je me suis vraiment rendu compte que à chaque fois, le Seigneur nous parle et nous prépare d'une certaine façon à toutes les situations de notre vie. Toujours. Lorsque tu arrives et que tu es surpris de A à Z, il y a un problème. Un esprit fort est prêt à tout moment. Il peut pas être surpris, en fait. C'est ça. C'est ça. Et du coup, lorsque tu es surpris de A à Z, c'est que tu as des carences. Et pourtant, si tu as l'impression que tu t'es nourri en plus, c'est que tu es comme cet enfant ou cette personne qui va boire beaucoup d'eau, le ventre est rempli, mais n'a pas, et c'est pas nourri, en fait. Ouais. C'est pas parce que le ventre est rempli et que tu n'as plus faim parce que tu as bu le jus ou je sais pas, tu as mangé des gâteaux par-ci par-là, que ton ventre est rempli, que tu n'as plus faim. Enfin, que tu n'as pas de carences. Tu as des carences parce que tu n'as pas mangé la bonne nourriture. Tu t'es rempli, mais de n'importe quoi. Donc, ça va faire cet effet où tu es trop surpris, en fait. Mais on doit vraiment... C'est pour ça que cet inventaire est important. Comment reconnaître qu'on a des carences sur le plan spirituel. C'est pour ça que je reviens quand même sur cet inventaire-là. C'est peut-être dimanche, je parle de ça. Il faut connaître son esprit. Il faut cerner son âme. Il faut cerner son corps. Parce que ceux qui nous écoutent, on est en train de parler de la dimension de l'esprit. Mais pour bien faire cet inventaire-là, savoir cerner si vraiment ce sont des carences que j'ai
j'ai dans mon esprit, ou c'est peut-être mon corps qui n'est pas disposé, qui n'est pas dans des conditions optimales pour coopérer avec mon esprit, pour me donner ce type de résultat. Donc c'est important, ceux qui nous suivent là, de vraiment cerner son esprit, son âme et son corps. Parce que les trois opèrent quand même ensemble. Mais quand tu as distingué déjà, quand tu sais très bien, tu connais ton corps, tu connais ton âme, tu sais très bien que là, quand tu as cerné en fait, maintenant comment arriver à savoir que c'est ton esprit qui a besoin. Voilà, l'esprit, on va voir quand même, c'est là on voit que même si le corps est bien, l'âme est correcte, si on n'est pas bien alimenté spirituellement, mais comme l'esprit, nous sommes esprit, c'est là où tout part, mais l'esprit qui n'est pas fortifié, comment dire ça? Il est faible. Il va être faible. Il va être faible. Il de la sera même façon moins. Que, voilà, de la même façon que physiquement, quand tu ne manges pas assez, tu t'affaiblis physiquement. Tout à fait. Il y a un type de fatigue spirituelle que vous devez apprendre à identifier. Amen. Tout à fait. À identifier. Et cette fatigue spirituelle-là est un signe parfois que dans ton esprit, tu n'es pas bien alimenté. Tu as bien mangé, excuse-moi, pasteur. Tu as bien mangé. Psychologiquement, tout semble être bien. Tu as un bon travail, tu as une bonne église, tu as machin. Mais intérieurement, tu ressens comme une fatigue, que tu n'arrives pas du tout à expliquer, en fait. Et parfois, tu as même l'impression que ton corps suit même cette fatigue-là. C'est un signal clair, net et précis quand tu as mangé, que tu as eu tout ça. Et dans ton esprit, tu ressens une fatigue, en fait. Donc, on voit vraiment, il y a ces carences-là, ça va être la fatigue. Ça va être la fatigue. La fatigue qui va empêcher. Mais comme on l'a vu, on va moins collaborer, avec coopérer avec Christ. Donc, ça va être la fatigue. Ça va être... bon, on peut être susceptible, je dirais même... On peut se culpabiliser. Et c'est là la confession. Sur l'âme et le corps. L'âme et le corps reprennent le dessus sur l'esprit. Ils reprennent le dessus. C'est là où je veux qu'on puisse revenir. Ils reprennent le dessus et l'esprit n'arrive pas à contrôler. L'âme n'arrive pas à contrôler le corps, en fait. En fait, je vais repartir sur ce que tu avais dit avant, enfin tout à l'heure, c'est que le fait que la foi, c'est l'énergie de l'esprit. Donc, si tu es faible spirituellement, c'est que tu manques d'énergie. Or, si c'est la foi, c'est que tu manques de foi. Donc, à partir du moment où tu te stresses facilement, où tu as peur n'importe comment, ou bien quand il y a une situation, tu commences à te poser des questions, mais comment je vais y arriver? C'est pas possible. Et tout ça démontre que tu manques de foi. Et si tu manques de foi, c'est que tu es faible. Donc, c'est à chaque fois, chaque situation, où tu auras l'impression que tu ne réagis pas comme la parole de Dieu te demande de réagir en termes de foi. C'est que ton esprit n'est pas suffisamment fortifié, n'est pas suffisamment nourri. J'irai même plus loin. Si tu as passé du temps dans la prière, tu as écouté une prédication, mais malgré tout, il y a des situations qui te stressent, c'est que tu ne t'es pas bien nourri. En fait. Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais c'est exactement ce que Jésus va dire à ses disciples. Il va dire, homme de peu de foi. C'est parce que lorsque les disciples étaient face aux difficultés, ils ne se sont pas, Pierre, par exemple, qui marche sur l'eau, à un moment donné, commence à s'enfoncer. Jésus va lui dire, homme de peu de foi. Pourquoi? Parce que lorsque les circonstances se présentent, en fait, son esprit n'est pas suffisamment fort, suffisamment nourri pour qu'il puisse relever le défi face à la situation. Et ça me fait penser à ce que Hébreux 5, 12 va dire. Vous devriez être des maîtres, mais vous en avez encore besoin d'être nourris des rudiments de la parole. En fait, il y a des personnes qui, même dans la saison dans laquelle ils sont, ils devraient manger une nourriture qui est plus avancée, mais ils ne s'en nourrissent pas parce qu'ils restent encore au lait. Ils ont encore besoin, ils se nourrissent encore des choses qui ne sont même plus adaptées à leur saison. Et leur foi ne peut donc pas faire un bond. Et si la foi ne peut pas faire un bond, l'âme et le corps vont prendre le dessus. Et ils vont se dire, mais c'est bizarre, pourtant je sens que je suis appelé à quelque chose. Je suis censé faire des grandes choses, mais mon âme est toujours... Il y a plein de gens comme ça qu'on rencontre qui vont dire, mais je sais que je suis appelé à faire de grandes choses, mais je ressens toujours mon âme, je suis toujours susceptible, je suis toujours blessé, je n'arrive pas. Mais c'est parce qu'il y a une nourriture dont ton esprit a besoin qui va venir fortifier ton esprit et donner la capacité à ton esprit à prendre le dessus sur l'âme et le corps. L'un des signes d'une carence, en fait, c'est aussi une mauvaise vision et une mauvaise audition. De la même façon, quand tu as faim, tu peux voir flou et tu n'entends même plus très bien parce que ton corps est fatigué. Quand ton esprit est faible, il ne voit plus bien et il n'entend plus bien, en fait. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, Dieu a clairement donné une vision. La particularité de la vision, c'est que tu la visualises dans ton esprit, en fait. Donc, quand quelqu'un perd la vision de sa vie et il se pose des questions, en fait, où est-ce que j'en suis, en fait, c'est un signe, en fait, que son esprit est faible, que son esprit n'arrive plus à voir la vision que Dieu a mise. Parce que la vision est spirituelle. Et c'est dans l'esprit qu'on voit ça, en fait. C'est celle-là qui nous fortifie, qui nous motive. Et quand on n'arrive plus à la voir, on est perdu complètement.
concrètement, c'est un signe aussi. On est dans la dalle spirituelle. C'est vrai, apôtre, parce que ça me fait penser au fait que beaucoup vont se dire que c'est forcément le diable qui les attaque. Alors que des fois, c'est juste parce qu'ils ont faim, quoi. C'est-à-dire qu'ils devraient plus se nourrir de la bonne nourriture pour qu'ils puissent mieux voir, mieux entendre le Seigneur. Mais ils tournent en rond, ils se disent attaqués, ils se disent, oh non, le Seigneur m'a envoyé dans le désert, oh le diable est en train de m'attaquer, machin. Alors que c'est juste parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. C'est parce qu'ils ne voient plus clairement. Parce que s'ils voyaient, ils sauraient par où aller. S'ils entendaient, le Seigneur pourrait leur dire non pas par là, plutôt par là, en fait. C'est ça. Mais il y a une chose, franchement très très importante que j'ai réussi à capter dans ce que tu disais, c'est que chacun d'entre nous, sur le couloir de notre destinée, nous sommes censés avoir une vision et savoir où nous allons. C'est clair. Ça veut dire que chaque fois que nous nous retrouvons à nous poser la question, mais où est-ce que je dois aller, ça veut dire que notre esprit a des carences. Notre esprit a des yeux et ce sont ces yeux qui nous permettent de voir là où Dieu nous amène. Et quand on ne voit plus, il est faible. Et c'est là où beaucoup se perdent dans la vision de Dieu de leur vie. Et ça a été bien quand on n'a pas les cartes d'un esprit fort. C'est un esprit très persévérant. C'est ça. On a parlé comment cet esprit-là maintient la confession. C'est-à-dire, quel que soit ce que cet esprit-là maintient parce la confession. Parce qu'il voit. Et ce n'est pas un esprit qui se culpabilise. C'est ça. Parce que la Bible va dedans, Romains 5:1, justifié par la foi. C'est extrêmement important. C'est ça, gentil, je voulais dire. Tu sais, apôtre, ça, j'ai réalisé que c'est vraiment important parce que le Seigneur, des fois, me donnait la vision de l'année prochaine. Par exemple, là, le Seigneur m'a déjà dit ce qui va se passer l'année prochaine. Et c'est ce que tu as l'habitude de dire, votre vie ne doit pas être un film inconnu. Vous devez savoir, Jésus va dire que ce que je fais, j'ai vu le Père le faire. Et c'était l'indicateur de la force de son esprit. C'est qu'il était tellement fort. Et Marc 1, verset 35 va nous dire que Jésus était tout le temps en train de prier. Il s'éloignait pour prier. Au point où son esprit était fort, il voyait sa journée. Il voyait son année, il voyait sa journée. C'est-à-dire qu'il arrivait même à voir dans les détails ce qu'allait se passer. Ça veut dire que la force de notre esprit peut nous permettre de voir plus loin et peut nous permettre de voir les détails. Ça veut dire que je peux voir dans l'ensemble, mais si j'arrive à voir les détails, ça montre même la force supérieure de mon esprit. Exactement. Donc, quand tous vos sens spirituels sont affaiblis, en fait, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Je vais vous donner un signe. Quand vous n'arrivez même plus à prier en langue, c'est-à-dire, tu sais comment démarrer le parler en langue, mais tu n'y arrives tout simplement plus. C'est vraiment une grande preuve de carence. Mais là, tu es dans la dalle. Et ça, c'est la particularité du rétrograde. Parce que le rétrograde sait qu'il faut qu'il prie, mais il n'y arrive pas. Il sait qu'il faut qu'il commence même par Seigneur Jésus. Il parle en langue. Il sait même qu'il faut qu'il commence à parler en langue. Il sait comment démarrer, mais il n'y arrive tout simplement pas. Et même quand il commence, c'est sec. Il a l'impression de se mentir lui-même. Il a l'impression de dire du charabia lui-même. Mais l'important de la parole de Dieu, pour ceux qui nous écoutent, ça, c'est ce que la parole de Dieu va faire. La parole de Dieu va nous permettre d'augmenter notre vocabulaire. C'est exactement ça. C'est ce qui se passe. Donc ça montre. C'est vrai ça. Mais ça nous arrive tout le temps. Ceux qui parlent en langue, blablabla, même parler en d'autres langues, ils ne comprennent pas. La parole de Dieu va être en notre parler en langue. Va nous donner des nouveaux syllabes, il y a une différence. On parlait de guérison, des miracles, il y a une différence. C'est-à-dire les gens qui vont avoir les mêmes syllabes, d'autres qui vont étendre de syllabes ne vont pas opérer dans le même niveau des miracles. Vu que c'est une langue spirituelle. Parce que ça, c'est une très bonne transition pour la prochaine émission. Parce qu'on va parler justement de la prière dans le régime alimentaire, de la plénitude du Saint-Esprit. On est dans une très bonne transition. Il nous reste environ 2 minutes, 3 minutes, mais on y va. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, parce que je pense vraiment que le fait, c'est une langue, c'est quand même une langue qui est spirituelle. Comme nous sommes des esprits et que nous nous nourrissons de la parole de Dieu, ça veut dire que plus nous grandissons, plus notre langue s'améliore. Un enfant ne peut pas garder le même langage quand il grandit. Plus il grandit, plus le vocabulaire change. Il a plus de syllabes, il a plus de choses. Et s'il a plus de syllabes, c'est qu'il demande des choses plus précises. C'est qu'il arrive à dire des choses avec beaucoup plus de précision. Un enfant de 1 an ne va pas parler comme un enfant de 8 ans ou de 15 ans ou bien plus. Il dira des choses beaucoup plus précises et ramènera dans sa vie des choses beaucoup plus grandes, en fait. Et je dirais même plus. Même par la prière, par l'intelligence.
la capacité à utiliser certains mots va déterminer même notre niveau spirituel. Ça veut dire que si chaque fois que tu pries, même de manière intelligible, tu utilises tout le temps les mêmes mots, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, c'est vrai. Tu n'es pas inspiré. Tu n'es pas inspiré. Tu ne connais même pas assez la parole. Parce que plus tu lis la parole, plus la parole alimente ton vocabulaire. C'est ça, exactement. Et c'est là où la prochaine émission va être vraiment très intéressante. Parce qu'on va montrer aux internautes, en fait, les signes qui prouvent qu'on est en train d'être édifié, en fait. Que notre esprit est en train de manger, que notre esprit est en train de se fortifier, en fait. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent même pas reconnaître quand est-ce que l'esprit est édifié ou pas. C'est pour ça que la vie chrétienne pour eux est une religion. Et tant que c'est une religion, ça sera pénible. Parce que quand la Bible va dire les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, c'est notre vie. Est-ce que vous me suivez? Donc ne ratez surtout pas la prochaine émission. Nous sommes en train de parler de l'esprit fort et nous vous montrons comment fortifier votre esprit. Vous avez aimé cette émission. Je vous invite à vous abonner maintenant à Évangile TV, au YouTube d'Évangile TV. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous cliquez en bas sur s'abonner et n'oubliez pas la petite cloche pour qu'à chaque fois que les émissions Pendules à l'heure sont mises en ligne, vous soyez informé, que vous soyez aussi informé des directs et des lives que nous faisons. Si vous avez regardé cette émission sur YouTube, sachez que notre chaîne est disponible 24 heures sur 24 sur l'application Android, Apple, etc., etc., et que vous pouvez regarder cette émission paisiblement sur votre télévision. J'avais avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Gentil, le pasteur Darius. Je vous dis à bientôt dans la prochaine émission Pendule à l'heure.